le président a dû donner l'ordre à l'armée d'utiliser tous les moyens pour ouvrir la route. S'est passé là, j'arrive même à pleurer. Même aujourd'hui là même, quand on m'a prescrit des médicaments là, et j'attends aussi les gens me donner l'argent avant d'acheter. Vous voyez, non, c'est pas une joie. Il tirait seulement. C'est ici que la balle a pénétré. Ici, vous voyez. C'est ici. Quand ils ont commencé à tirer là, j'ai fermé la porte et la fenêtre. Et je me suis assis avec ma femme ici. Donc la balle a commencé par là. J'ai une autre famille aussi qui est au dehors. Donc ma mère de leur côté, je suis allé chez eux. En venant, je suis resté là pendant quelques temps que je dis bon, ma femme est ici, donc je vais lui laisser celle ici. Donc en venant, je l'ai déjà vu, elle a déjà tout fermé, la porte, tout. Donc moi ici, et je leur dis de pousser un peu pour que moi je puisse assis quelque part ici. Donc en fermant la porte comme ça, j'ai fermé la porte comme ça, et en tournant comme ça là, j'ai reçu la balle, voilà le trou, là-haut la balle là a passé, hein. C'est le trou, donc la balle s'est arrêtée ça. Et ainsi c'est pas Dieu là, c'est pas moi qui parlais aujourd'hui, la balle a rentré ici et ça sort par ici. Vous voyez, non? La balle est rentrée ici et ça aussi c'est ça qui a touché le mur que je vous ai montré tout à l'heure. Tout le monde me connaît dans ma maison ici, dans notre quartier même, que s'il y a des choses là comme ça là, moi je suis toujours calme. Moi ici à l'intérieur, même c'est. Je voulais gérer ma famille aussi quelque part pour qu'on ne puisse pas réussir la balle là. Et malheureusement pour moi, j'ai reçu la balle. Comment eux vont tirer comme ça et tirer en l'air comme ça pour blesser les gens là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon totalement. C'est pas bon.